Ok, we are live. So, welcome everybody, et bienvenue à tout le monde. Le Festival AGCM, c'est les journées de l'engagement citoyen. Et c'est le moment de l'année où pendant plusieurs jours, donc cette année pendant 3 jours, on se réunit tous avec nos correspondants en Méditerranée. Il y a plus de 10 pays qui vont se réunir autour d'un festival semi-digital, c'est-à-dire qu'il y aura des activités en présentiel, ici, dans nos locaux et sur Internet. Et on va se réunir pour parler des thématiques, les piliers de l'AGCM qui sont l'égalité des chances, la mobilité et enfin l'environnement. We started with the festival in very specific conditions. During the very first lockdown last year, we asked a lot of people around the Mediterranean to send us their messages, explaining us what kind of issue they face actually. Que les jeunes, surtout ceux qui commencent leur vie, font face à des problèmes économiques. Le sujet de l'émission de ce soir, c'est la Méditerranée des femmes de demain. Donc on a dit c'est l'égalité homme-femme. Et ça commence, là vous voyez l'heure. Et en gros, à chaque fois, j'ai marqué qui parle, pendant combien de temps et à quel sujet. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous voulez le diffuser et en parler? Ouais. Et dans la rue? Dans la rue, est-ce que c'est plutôt... On voit plutôt des hommes dans les cafés ou on voit plutôt des femmes? Des hommes. Voilà. Donc, elles sont minoritaires. Prise 3. Constatez-vous une augmentation des violences conjugales dans votre quartier? Oui. Oui. J'ai constaté pas mal de violences. Proposez-nous une solution, vous. Est-ce que vous avez des idées? C'est de plus libérer la parole. Là, j'essaie de trouver le début de sa phrase. Ouais. Ah, là, je suis face. Ah, c'est celle-là? Installe-toi. Bonsoir et bienvenue dans notre talk show méditerranéen, le Med Talks. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de plusieurs personnes pour leur poser des questions. Et on leur a posé une question. Qui a été pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être méditerranéen? C'est vivre à Marseille. Bah, c'est le mélange. C'est le mélange des cultures entre la culture européenne, la culture asiatique, la culture africaine. Il faut avoir le courage aussi de développer les mêmes idées, les mêmes perceptions et les mêmes imaginations envers notre continent africain. J'ai vu des jeunes comme des vieux, j'ai vu des grandes personnes, j'ai vu pas mal de personnes qui s'appuie sur le sujet de migration. Et du coup, ça m'a permis moi-même d'avoir un avis peut-être différent aussi. Je sais maintenant pourquoi je suis ici. Aujourd'hui, on est au Prado. C'est une première pour nous. On va retransmettre notre Med Talks, c'est-à-dire l'émission de Web TV qu'on a mis en place justement avec les correspondants des différents pays pour pouvoir s'exprimer sur les thèmes qui nous concernent librement. Cette journée est dédiée à l'environnement, donc voilà, et notamment aux actions de nettoyage et de nettoyage de plages. Avant de commencer à construire des choses avec les déchets, j'ai fait parvenir aux personnes qui devaient faire une collecte de déchets un questionnaire pour les faire réfléchir sur la notion de déchets. D'où viennent les déchets, l'histoire des déchets qu'ils ont collectés, en quoi ces déchets peuvent être en lien avec leur histoire personnelle, leur histoire de famille, etc., etc., de manière à ce qu'ils arrivent ici en ayant déjà fait une réflexion sur la notion de déchets. Welcome for the last edition and the last day of this AGCM festival. This year we made 7,000 kilos of weight from different points in the Mediterranean area. So that's really great. People from Egypt, people from Armenia, people from Spain. In our experience doing the flogging challenge in a very different place in Egypt, we found very, very strange items. If you're asking me about the most interesting piece of litter we gathered, that would be an old TV. As I said, that we worked with young people, with children, they are part of the solution. It was a really fun experience. I came here with my kids so they can learn about the environment, how to keep it clean. One of the most important ones, other than saving sea life, is to detect the already growing and present pollution. Thank you all. Thank you, Mana. Thank you all. Thank you very much. Bye. Let's go to swim. Now we're gonna swim. Bye. Bye. Bye.